des cadeaux d'anniversaire. Coucou à tous. Alors oui, enfin on fait cette vidéo qui nous a été très demandée. Donc Kélia va vous montrer tous les cadeaux qu'elle a eu pour son anniversaire. Donc il y a ceux de ses copines lors de sa fête d'anniversaire. Même si vous avez vu dans la vidéo précédente, fête d'anniversaire, on va vous les remontrer rapidement dans cette vidéo. Puis il y a tous nos cadeaux à nous et à la famille en fait. Et donc t'as été bien gâtée encore cette année. Hein. Il y a vraiment plein de choses de partout. Donc il y a plein de vêtements. Vraiment, il y a aussi des petites collaborations voilà, qu'on vous montrera. Et voilà, vraiment tu as été bien gâtée. Donc on commence à tout montrer? D'accord. Allez, on va commencer. Bon alors, on s'excuse car on a été absente quelques temps. Donc on n'a pas mis de vidéo hier, donc samedi matin, ni de vidéo dimanche dernier je crois, ou samedi dernier, je sais plus. Car j'étais malade et donc impossible pour moi de faire la moindre vidéo ou de faire le moindre montage. Donc malheureusement on ne pouvait pas poster de vidéo. Mais là on va commencer à reprendre le rythme car avec l'école c'est compliqué quand même. Il faut savoir qu'on tourne les vidéos le mercredi. Et le samedi et dimanche. Voilà, mais le mercredi des fois on n'est pas là. Donc on ne peut pas tourner le mercredi, donc on fait ça le samedi, dimanche, et des fois le dimanche on n'est pas là non plus. Donc voilà, on essaie de faire ça comme on peut, l'école a repris, donc on va essayer de reprendre un rythme. Des fois après l'école quoi. Après l'école, voilà, je suis pas trop pour après l'école, donc on verra, mais voilà, mais là voilà, on va reprendre le rythme, et il y aura toujours des vidéos le mercredi à 9h. Le samedi et dimanche à 9h. Voilà, on va reprendre le rythme. Bon allez, maintenant on montre les cadeaux. Par les copines. Par les copines, ok. Donc on commence par les cadeaux des copines. Alors sachant que normalement vous les avez déjà vus si vous avez vu la vidéo de sa fête d'anniversaire. Donc on va mettre dans le petit i. Mais Kélia voulait vous les remontrer rapidement. Donc on commence par quoi? Alors par une tirelire licorne. Et elle est trop belle. Donc tu veux l'ouvrir peut-être? Ce sera plus simple pour la voir. Mais par contre je sais plus quel cadeau est de mes copines. Oui alors on ne sait plus qui vient de qui. Donc on va pas citer de nom. On veut pas se tromper dans les personnes. Donc on ne dira pas qui vient de quoi vient de qui pardon. Mais voilà, en tout cas vous avez vu ça dans la vidéo de la fête d'anniversaire normalement. Et donc là, elle est trop belle. C'est une énorme tirelire licorne. Et elle est juste trop canon. Elle est vraiment trop jolie. Hein. Oh, merci. Et tu dis encore merci. Vraiment, elle est trop belle. Vraiment, vous avez fait des bons choix. Ouais, vraiment, vous avez fait des folies, les copines aussi. Hein. Trop de folie. Ensuite, une plante. Alors, une petite plante que tu pourras mettre. Maison du monde, je crois. Oui, maison du monde, je crois. Et donc, tu pourras la mettre en déco. Dans ta chambre. Ouais. Voilà, et elle est trop mignonne. Elle est magnifique. Tu me la montres ? Merci. Elle est trop jolie. Voilà, elle est vraiment super mignonne. Merci beaucoup. Tu vas encore dire merci dans cette vidéo ? Oui. Je pense. Donc voilà, ensuite. Ensuite, une trousse, elle est trop belle. Une jolie trousse comme ça, voilà, que je vous montre de plus près. Elle est trop jolie. Vraiment, merci. Voilà, hop, merci ensuite. Beaucoup, mais arrête de dire merci, c'est bon, t'as déjà remercié les personnes. C'est bon. T'as pas besoin. Alors ensuite. Un cahier qui bouge, je veux dire. Un cahier qui bouge. Je veux dire, non, un cahier avec de l'eau, en fait. Alors en fait, c'est un carnet. Et à l'intérieur, il y a de l'eau. De l'eau, voilà. Et des paillettes. Et des paillettes. Et donc, bah, la couverture, elle bouge, quoi, en fait. Merci. Voilà. Et ouais, vraiment, il est trop canon, celui-ci. Hein. Merci, merci, merci. Stop, arrête de remercier. Merci du monde, voilà. Voilà. Bon, allez, on continue. Ensuite, un top modèle. Alors, j'ai déjà commencé et j'adore. Ouais, alors donc c'est un livre top modèle et en fait on doit habiller les mannequins en fait, c'est ça, les personnes. Voilà. Et donc elle a déjà commencé, j'en Kélia, et bah, elle adore ça. Oui. Donc vraiment okay. C'est top, c'est vraiment super chouette comme livre. J'adore. Et donc ça s'appelle Top Modèle, voilà, et c'est vraiment top. Hein. Du coup après on les fait comme on veut. Voilà, on fait comme on a envie, c'est vraiment chouette. Hein. Ensuite on m'a donné une Pop Marvel, elle est trop belle. Donc là... Voilà, c'est ouais. Une Pop Marvel et elle est trop jolie. Elle est trop belle. Je vais l'ouvrir. Alors vas-y, ouvre-la. Alors, je vais voir comment elle est.
elle est là en plastique. Ah, faudra qu'on coupe. Donc on va la laisser comme ça, ok. On l'ouvrira plus tard. Mais ouais, elle bouge. Elle est vraiment trop, trop, trop jolie. Hein. Merci. Encore merci. Je t'ai entendu le petit merci. Ensuite, il y a une bombe de bain qui vient de Claire's. Donc voilà, une petite bombe de bain comme ça. Voilà. Alors ensuite, pour finir, il y a plein de vêtements aussi. Hein. Oui. Donc on va voir aussi pour les vêtements après. C'est plein de trucs comme ça. Alors en fait, c'est plein de produits de chez Nocibé à la pomme d'amour. Alors, on a le gel douche pomme d'amour. Donc alors c'est de la collection Nocibé les délices. Donc là on a le gel douche onctueux pomme d'amour et c'est une tuerie l'odeur. Hein. Ça la sent trop trop bon. La bombe de bain pomme d'amour. La bombe de bain pomme d'amour. Bon. Et ouais, elle sent vraiment trop trop bon, j'adore l'odeur. Voilà. Un savon pomme d'amour. Le savon, voilà, comme ça. Une crème pour les mains, pour les c'est mains ça douce pomme d'amour. Voilà, crème main douceur pomme d'amour. Et vraiment l'odeur, moi aussi j'adore cette odeur. Moi aussi. Et une pastille pour le bain. Voilà, donc ça c'est une petite pastille à mettre dans le bain. Voilà, donc c'est vraiment. Donc voilà, c'est un galet effervescent pour le bain. À la pomme d'amour, toujours. Et c'est vraiment une tuerie. Ouais, j'adore l'odeur. Ensuite, j'ai reçu de Chaman un mug Princesse Relou. Et il est trop beau, hein. J'adore, en plus, j'en voulais toujours un. Ouais, tu le voulais trop. Et donc voilà, il est trop, trop, trop joli. Comme ça, en rose en plus. J'adore. Il est trop canon. Ensuite, pareil, dur d'être une princesse. Et c'est un sweat. Alors, un sweat avec écrit dur d'être une princesse okay. En rose. Et c'est un sweat à capuche, je crois, je sais plus. À capuche. Ouais, et vraiment leurs t-shirts, leurs pulls sont vraiment méga canons et de très très bonne tout qualité. Trop joli, quoi. Ouais, vraiment c'est nous en tout cas on adore ce site voilà. Et il est trop chouette d'être une princesse. Ce sweat, il est trop trop beau, j'adore. Et un t-shirt princesse heureux. Voilà, donc on le sait qu'il y a c'est une relou, c'est une princesse mais alors, elle est relou. Là, c'est un t-shirt et pareil leurs t-shirts sont vraiment top j'adore. Et la qualité rien à dire vraiment. Nous en tout cas on est vraiment fan de ce qu'ils font. Princesse Relou. J'adore la couleur, il est trop beau hein. J'adore. Il est vraiment trop trop chouette. Ensuite. Donc en tout cas voilà un énorme merci au fabuleux chaman pour ses cadeaux. Alors avant de passer à nos cadeaux qui sont derrière Kélia, on va passer aux vêtements. Oui, alors il y a des vêtements de mes copines et de la famille. Voilà, donc tout est un peu mélangé. Donc voilà, on va vous montrer tout sans préciser qui vient de quoi vient de qui. Car on ne sait plus vraiment. Alors un t-shirt. Un t-shirt Nike. Et il est trop, trop joli. J'adore. Ouais, il est vraiment trop canon. Donc ça vient d'une copine, je crois, celui-ci. Oui. Mais vraiment, je ne me rappelle plus de tout. Celui-ci, il est trop beau. Princesse. Alors, il y a écrit princesse à la cool, c'est ça la classe. Et donc, c'est un t-shirt caporal jeans. Et il est vraiment trop canon. Il est trop trop beau hein. J'adore la couleur. Ouais vraiment. J'adore ce qu'il y a écrit dessus. Il est au top ce t-shirt. Alors ensuite, oui, il y a beaucoup de vêtements quand même hein. Un vêtement Puma, un haut Puma. Un vêtement, oui un t-shirt Puma. Je pense que c'est un peu un croc top j'ai l'impression. Oui. Et il est trop joli celui-ci ensuite, aussi. Un ensemble Nike. Alors un ensemble Nike, oui donc qui vient alors, de notre part. Alors, et donc c'est pour le sport, pour l'école. Oui. Alors j'ai le sweat Nike avec capuche. Donc là on a le sweat croc top. Voilà. Ensuite, j'ai le haut. On a le t-shirt croc top. Voilà. Et j'adore la couleur, il est trop trop beau. J'adore les couleurs. J'adore le dégradé. Oui, il est vraiment trop joli. Et le legging. Et le legging, voilà, pour faire sport à l'école, c'est parfait cet ensemble. J'ai quasiment l'ensemble Nike. Voilà, donc au top du top. Ensuite, un pull Teddy Smith. Ça, pareil, c'est nous qui te l'ont acheté. J'adore. Et ouais, on a craqué pour celui-ci. J'adore. Il est trop trop beau. Non, tu l'avais pas celui-ci. Non, lui j'ai pas. Donc voilà. Les pulls Teddy Smith, ça porte bien chaud. Ouais, vraiment, les pulls Teddy Smith sont de très bonne qualité et tiennent vraiment super chaud. Ça, on l'a à Disney aussi. Alors là, en fait, c'est un pull Disney. Donc montre l'arrière. Voilà. J'espère que vous
vous l'avez eu à Disney? Alors oui, on l'a acheté à Disney. Et en fait, moi, je l'ai pour moi aussi. Et Kélia voulait le même, sauf qu'ils ne le font pas pour taille enfant, malheureusement. Donc là, je lui ai pris un taille XS. Et elle peut le porter un petit peu en mode pull-robe, on va dire, avec un legging en dessous et une ceinture. Ça pourrait être plutôt pas mal. Et ça, je pense savoir que c'était Shona. Et ça, c'est Shona, parce oui. Parce qu'elle avait fait une blague. Oui, pour ça, il faudra regarder la vidéo de sa fête d'anniversaire. Shona lui a fait une blague. Et ensuite, non, elle lui a donné son vrai cadeau. Il et donc, c'est un pull Disney comme ça. Et le il est trop joli. Oui, il vient de Primark. Il y avait le sac Primark. Ouais, donc celui-ci vient de Primark au cas où. Mais même ouais. C'est une taille XS. C'est pas grave. Il va être un peu grand, je pense, mais au moins pour cet hiver, et pour la maison. Vous. Et maintenant, on passe à ce qui est derrière. Voilà. Bon, en tout cas, encore merci à toutes les copines pour tous vos cadeaux. Vraiment, vous l'avez trop gâté. Vous avez fait beaucoup trop de folie. Mais vraiment, merci à tous. Et alors, maintenant, j'ai eu un Pandora. Et oui, donc Kélia a eu son Pandora qu'elle voulait tant. Putain, je le savais. Ah non, tu le savais pas. Tu pensais, si. Mais non, on te disait que non. Alors avant. Ça c'est pas Pandora. Ça c'est pas Pandora. Donc c'est Disney. Ce sont des bijoux qu'on alors, a achetés ça, à Disney. C'est des boucles d'oreilles qui. Des boucles d'oreilles. Alors voilà. Attendez, que je vous les montre de plus près. Ce sont des boucles d'oreilles comme ça, Mickey. Et donc on les a achetées à Disney. Et elles sont vraiment mais trop belles. Avec Mickey et la lettre K. Et donc tu as aussi le collier avec le petit Mickey et la lettre K. Et leurs bijoux là-bas sont vraiment j'adore. Trop canons. Hein. Il y a trop de choix et ils sont vraiment tous super super jolis. Et Pandora. Et il est trop beau. Bon alors moi je suis fan de Pandora. Je les ai pas mis sur moi aujourd'hui. Alors j'ai les attaches et la lettre. Alors en fait oui tu as les clips et tu as la lettre K. Alors je vais vous le montrer de plus près si j'y arrive pour qu'on puisse mieux le voir. Voilà. Donc c'est un Pandora. Donc il y a les deux clips de chaque côté et elle a la lettre K. Et puis petit à petit elle le remplira. Et voilà vraiment. J'adore. Et voilà. Donc les clips on peut les bouger si on veut. Donc là je les ai rapprochés pour que ça empêche en fait de faire bouger le charme K, voilà, surtout le long du bracelet. Comme ça il est bloqué et voilà ça y est tu j'adore. As enfin ton Pandora. Voilà merci. Alors ensuite par mon frère dit une pop Ariel. Alors oui Tiliane voulait faire un cadeau à Kélia et donc il lui a acheté cette pop Ariel. Voilà et elle est trop jolie belle. Donc voilà. Voilà j'adore. Alors ensuite. En pop, j'ai la collection Mickey des 90 ans. Oui, alors donc, tu les as presque tous, oui, ceux-là, moi, je crois, non? J'ai la 28, 30 et là, j'ai la 31. Il te manque celle-ci, en fait. Oui, elle est trop la belle. La Mickey de Noël. Et ouais, elle est trop jolie, j'adore. Celle-ci. Hein. Elle est trop belle. Alors, j'ai aussi eu banane, rose, gold et noir, Ishpad. En plus, c'est trop cool. Moi, je vais pouvoir la mettre quand je veux. En plus, il y a même une poche derrière. Donc là, c'est trop bien. Ouais, puis elle est trop belle. Et au moins, c'est une couleur qui va avec tous les vêtements que tu porteras. Donc tu pourras tout le temps la porter. Et donc, elle est trop belle. Donc, Kélia, elle a déjà le sac pour l'école Ispac de la même couleur. Et donc elle voulait la banane et en fait nous on a acheté son sac d'école au mois de juin car on l'avait vu à Sport 2000. Oui. Et tu voulais aussi donc la banane, donc j'ai été voir sur internet le soir même quand on est rentré et donc je te l'ai trouvé, je te l'ai commandé. Donc ça en fait, veut dire qu'elle est depuis longtemps dans l'armoire. Et donc en fait depuis fin juin on a cette banane cachée dans l'armoire sans que tu le saches. Ah. Mais elle est trop belle en tout cas. Oui, elle est trop belle. Et ensuite j'ai eu le jeu Fort Boyard, alors il est trop bien, j'arrête pas d'y jouer. Ouais, donc le jeu Switch Fort Boyard, et il est vraiment trop bien. Alors Kélia elle est fan de Fort Boyard. Tiliane aussi. Donc. Et elle voulait ce jeu, et oui même Tiliane il l'adore aussi ce jeu. Tout le monde adore ce jeu. Ouais, vraiment il est top, nous aussi on y a joué, et, vraiment il est pas mal ce jeu. Hein. Vraiment j'adore. Ouais, oula. Alors ensuite par une amie à maman, elle m'a fait un sac Mickey.
trop jolie où il y a écrit qu'il y a 10 ans. Alors vraiment, j'adore. Et derrière, il y a écrit Paris. Voilà, il est trop canon. Alors c'est un tote bag et il est vraiment trop, trop, trop joli. Donc bah merci Aurélie, si tu passes par là, on te fait des bisous. Et puis bah vite qu'on se revoit. Hein. Oh bah oui. Oui, oui, oui. Hein. Donc voilà, il est trop, trop beau en tout cas. Et ensuite. Et ensuite, c'est une collab. Donc en fait, Kélia a fait une collaboration avec Teddy Smith. On avait fait une vidéo sur un comment dire, je perds mes mots, un back to school. Voilà, tu avais fait un haul back to school Teddy Smith. Et donc pour ton anniversaire, on ne s'y attendait pas du tout. Et bah, ils t'ont offert un sweat, mais vraiment un sweat tout doux, tout alors, chaud. Il y a même une carte joyeux anniversaire qu'il y a. Voilà, donc ils t'ont fait un petit mot comme ça. Voilà, trop trop adorable. Et donc ils t'ont offert ce pull qui est. Ouais, tu le voulais trop. En plus, on l'avait vu à Intersport. Stop, ça suffit, Kélia. Oui, hein, Kélia, dans les magasins, voilà quoi, on peut plus l'arrêter. Donc j'avais dit stop, on verra une prochaine fois pour ce sweat. Et en fait, voilà, Teddy Smith te l'a offert. Oh, yeah. Et il est merci trop, beaucoup, trop. Teddy Smith. Alors en fait, c'est vraiment le pull qui est tout doux, tout, tout chaud, bien. Tout. Voilà, vraiment trop, trop bien. Et donc, il y a des poches devant, il y a une capuche aussi. Et donc, il y a écrit Teddy Smith sur les manches. Voilà. Et ouais, il est trop, trop, trop canon. Merci Teddy Smith. Et on allait oublier des petites choses. Oui. Il y a tellement. De choses. Que voilà, on allait oublier Bigumi qui est juste là, qu'on vous montre juste après. Et tu as aussi reçu un parfum, il est trop trop beau, il sent méga bon. C'est une tuerie. Alors c'est le parfum de chez Lolita Lampica et c'est le sweet, voilà, comme ceci. Et vraiment l'odeur, alors nous on aime tout ce qui est odeur gourmande et sucrée, et celui-là c'est parfait, vraiment, il sent trop trop bon. Nous en tout cas, on adore. T'en as pas mis encore aujourd'hui en plus. Je peux en mettre. Donc tu peux en mettre. Il sent vraiment trop bon. Donc bien sûr, je te le piquerai des fois. Bah oui, hein, moi aussi j'adore l'odeur. Alors. Maman, c'est mon anniversaire. Ouais, mais j'aime bien aussi. Okay, donc des fois. Ah, c'est gentil, merci. Ouais, vraiment, il sent trop trop bon ce parfum. J'adore le packaging. Ouais, j'adore la bouteille. La bouteille, elle est vraiment trop, trop belle. Vraiment. On vous mettra de toute façon tous les liens de tout ce qu'on a reçu en collaboration en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez voir voilà, tout ce qui compose ce parfum. Et vraiment, c'est une tuerie. Hein. Oui, et ensuite, Bigumi. Et ensuite, Bigumi. Alors, Bigumi, il y a une collab et il y a que j'ai commandé moi. Alors. Alors, on va commencer par ce que tu as acheté. C'est la combi indienne. Elle est trop trop belle. Et en plus, Bigumi, ils font des poches maintenant. Alors, oui, alors celle-ci, c'est moi qui l'ai commandée lors des préventes. Et donc, c'est la combinaison Angel. Elle est trop trop belle. Trop cool. Et maintenant, Bigumi font des poches. Font des poches dans les combis. Kélia voulait trop des poches dans les combis. Et Bigumi l'a fait. Cool. C'est trop génial. Merci, Bigumi. Et ouais, et vraiment, donc il y a elle toujours est trop. Les trous pour les mains, des poches. Voilà, pour les pouces et tout. Donc, les poches, ça vraiment, c'est le plus bien pensé. J'adore la fermeture, elle est trop belle. Donc, là, il y a la fermeture avec écrit Bigumi. Il y a le logo toujours. À la main juste ici et la capuche elle est en plus, trop j'adore parce que ça trop belle. C'était vraiment... Bah elle est bien réussie hein, vraiment elle est trop 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 canon. Merci maman. Et maintenant Kélia veut aussi la Stitch. Bah oui bien évidemment je veux bien. Donc voilà, mais ouais franchement elle est trop trop belle. Et ensuite de la part de Bigumi un peignoir licorne. Voilà, donc merci Bigumi pour merci. Ce cadeau. Donc Kélia elle a reçu ce peignoir licorne. Et il est trop trop canon. Alors il est méga doux, méga chaud. La capuche, elle est trop canon. Du coup, il y a des poches aussi, voilà. Il y a des trous dans les mains. Juste ici, voilà, pareil. Il y a les trous pour le pouce. Donc il y a le cordon pour la taille. Et ouais, vraiment. Le logo, pareil. Et elle est trop trop belle. Et toute douce. Ouais, elle est méga douce, elle est trop canon. Elle est vraiment
trop, trop, trop canon. Elle est toute douce et elle tient vraiment super chaud. Vraiment, ça, l'hiver en mode cocooning, c'est parfait. Hein. Ben oui, c'est parfait. Elle est trop, trop belle. Oh, ben là, donc voilà, avec le cordon, les poches, vraiment, elle est les trop, trop, trop. Les trous dans les mains, les trous au pouce. Ouais, donc vraiment, elle est trop, merci, trop, trop, trop belle. Oui, merci Bigumi, on vous fait plein de bisous. De gros bisous. Alors, on allait aussi oublier cette paire de Stan Smith, voilà. Et ce n'est pas n'importe quelle paire. Car elles sont personnalisées. Eh oui, donc Elia les voulait sur le thème Disney. Oui. Donc sur une chaussure, on a le château Disney. Et avec la fée clochette. La fée clochette. Et des paillettes. Donc il y a plein de paillettes, donc ces couleurs noires et dorées. Et sur la deuxième, Mickey et Minnie. On et a Mickey et Minnie et on a le prénom Kélia, voilà, comme ça, juste ici. Alors en tout cas, c'est vraiment super bien fait. Elles sont trop trop belles. Elles sont trop 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 belles, vraiment, elles sont trop jolies. Donc on vous mettra le lien de la personne, le lien du Instagram. De la personne qui les a fait en barre d'infos car c'est une personne sur Instagram qui les fait et c'est vraiment super bien fait, elles sont trop 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 merci belles maman. Hein. Ouais vraiment elles sont trop trop et trop pour canon finir, Canatoy. Alors oui pour finir Kélia elle a reçu un énorme colis de la part de Canatoys. Merci Canatoys. Et vraiment ils ont fait des folies. On a tout sorti du carton pour mettre dans un sac. Voilà. Et ouais, vraiment, vous avez fait des folies. Oh, regardez. Et Kélia découvre en même temps parce qu'elle n'avait pas vu avant. Alors, ça, c'est juste trop chou. Oui, t'as un petit mot. Je te laisse le lire. Et donc, voilà. Alors, ça, c'est juste trop chou. Le petit pot de Nutella comme ça. Donc, c'est Slamlicious. On avait déjà fait ça en vidéo d'ailleurs. Mais là, le packaging, il est nouveau. Voilà, c'est trop, cool. Trop chou. C'est un slam qui rebondit. Donc là, on a une bulle qui rebondit. On a un bubble slime, voilà, comme ça. Oh, j'essaie de tout vous montrer. Alors là, on a un slime DIY, voilà, comme ça, rose. Je pense que lui, j'ai donné à Tillian. Le jaune pour ton petit frère, mais il va être content. Donc là, c'est un néon. Là, disais, voilà. On a un slime néon jaune, voilà, comme ça. Trop cool. J'ai la glace et j'ai même pas. Donc là ensuite on a le slime senteur, donc ce sont des slimes qui sont parfumés, donc là c'est la glace. Et là j'ai le... que quand on met sa main ça change de couleur. Cool. Et donc là c'est... alors voilà, donc là c'est sous forme de packaging en œuf et donc... il change de couleur celui-ci tu penses? Oui parce que regarde derrière. Ah d'accord, ok, donc celui-ci change de couleur. Ok, donc génial. Ensuite tu as aussi eu celui-ci, vraiment ils t'ont gâté Canatoys. Merci Canatoys. Donc là c'est un slime géant. Ah moi je vais le faire, ça sera un bleu et un rose. Ok, donc là c'est un géant slime. Voilà, cool. Ensuite... Alors là, j'ai le seau pour faire des slimes, c'est trop cool. Et comme moi, j'ai le rose et le rose et violet. Ok, bon, elle s'y connaît mieux que moi en slime. Mais donc là, voilà, c'est le packaging, qui change. Merci encore. Et j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, vraiment, leur packaging. Merci. Est trop, trop, trop canon. Ensuite, tu as aussi celui-ci. Ça, il s'illumine dans le noir. Ok, donc voilà. Attesté. Et là donc tu as la boîte. La boîte. Avec on peut plein de choses. Ouais, on va l'ouvrir et donc il y a plein de choses à l'intérieur. Oh merci. C'est trop trop bien. Voilà, vous avez fait une heureuse. Ah, c'est métallique ou soit néon. Il y a plusieurs sortes, ouais. Ça. Je sais pas. On va ouvrir, on va découvrir. Et il y a le petit mot en plus, oui, voilà. Merci Canatoy. Donc vraiment un énorme merci à vous. Vous avez fait une heureuse avec bah, tout ça. J'adore les slimes, alors là. Là vraiment. Plein de slime à faire. Vous l'avez gâté. Oui, j'adore ce packaging. Et ouais, j'aime trop. Slime. Ouais, j'adore. Le pot Nutella, il est très donc voilà, on vous fera des vidéos pour certaines choses pour vous présenter tout ça. En tout cas, c'est vraiment trop 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 merci. Adorable. Merci, merci beaucoup. Bon, alors je pense que tu as été beaucoup, beaucoup, beaucoup gâtée pour tes 10 ans. Merci mes copines, merci de la famille et merci les marques. Oui, vraiment merci à tous. Vous l'avez beaucoup, beaucoup trop gâtée. Vraiment merci, merci. J'ai je pense que
tes 10 ans ont été réussis, je pense. Hein. Entre ta fête d'anniversaire, qu'on vous mettra dans le petit i si vous voulez voir la vidéo, et tous ces cadeaux que tu as eu, vraiment, tu as été gâtée. Et ouais, mais ça, on va faire en vidéo tous les slimes. Bah, pas tout, mais on fera certaines choses en vidéo. Donc, tu vas devoir attendre que je sois motivée à faire les vidéos. Oh. Et oui, non, mais on va faire ça très vite. Oh, cool. Donc, voilà, ça, on va le faire en vidéo. Oh oui. Pour ça découvrir aussi. Tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça aussi, on va le faire en vidéo. Ça aussi, on pourra le faire en vidéo. Ouais, bah on va voir, ok. Ça aussi. Ouais, donc tout quoi. Ok, donc on fait ça très très vite. Mais en tout cas, merci à tous. Merci beaucoup tout le monde. Bon maintenant, je fais plein de bisous. Mettez des pouces bleus et surtout, abonnez-vous. Ciao ciao, bisous.